La création de l'entreprise 1922 par Marcel Balitran, il avait bien senti que s'il voulait développer son entreprise, il ne pourrait pas le faire au cœur de la ville de Cannes. Et donc il a choisi de venir s'expatrier. On dit ça aujourd'hui, ça paraît fou, mais je veux dire, mais quand il est venu, entre le quai Saint-Pierre et ici, ce n'était que marécage et roseaux. Donc c'était vraiment un pari audacieux à l'époque. Donc 1960, 62, 63 la construction et 64, je dirais, démarrage de l'activité. Et moi, je suis rentré dans la société en 1979, et donc comme magasinier. J'avais 17 ans et demi et j'ai à peu près exercé toutes les fonctions commerciales que propose l'entreprise. Et pour finir en septembre 2013 avec la présidence de Balitran. C'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Et encore aujourd'hui, je dirais, il y a des jeunes qu'on recrute en alternance ou en apprentissage et qui, 3-4 ans après, sont représentants, responsables de magasins ou responsables de secteurs chez nous. L'humain est au centre de tous les projets. Pour le 2017, on budgète 172 millions d'euros. Le magasin qui va donner ici Home Store la pleine puissance cette année. Nous avons mis des commerciaux supplémentaires sur le terrain. Le 20 février, on a démarré le magasin de Beau Soleil. Et aussi, je dirais, on se rend compte que depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, le logement neuf, les ventes sont reparties à la hausse. Et nous, on enregistre de très bons résultats en ce moment sur la partie acier liée au logement. Donc on anticipe un peu le fait que sur le second œuvre, d'ici la fin de l'année, ça devrait avoir des impacts plutôt encourageants et favorables. Et aujourd'hui, je dirais, la volonté est clairement affichée, c'est d'avoir toujours plus de produits, toujours plus de clients, et pour ça être toujours plus près d'eux, que ce soit par des moyens physiques, donc c'est l'ouverture de magasins, mais aussi par des moyens technologiques avec l'appli, avec le site internet. C'est tous les jours qu'il faut réfléchir à comment mieux faire son métier.